Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau jeu. Donc là je suis sur la page, c'est la première fois que je l'ouvre, hein, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Donc là on se retrouve sur la page qui nous dit de faire attention parce qu'il est encore en développement et donc il peut y avoir des petits problèmes, des bugs inattendus ou aux prochaines mises à jour on peut perdre aussi notre partie, ça peut arriver. Alors, oui, si vous ressentez des nausées, vous pouvez désactiver le paramètre de caméra fluide dans les options. D'accord. Alors, le titre va arriver, j'imagine. Petite intro. Donc, heureusement que j'ai baissé le son, parce que je trouve que c'est encore assez fort. Ah. Ah bah voilà, déjà de la violence, ça commence bien. Warning, hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Welcome to Eden, your new home. I have no idea where the hell I am, but damn. This place is gorgeous. Ok, donc le titre du jeu c'est I Am Future. Voilà. Donc j'ai dormi comme un loir, moi. Une bien belle matinée m'attend. Sauf que, oui. Où suis-je et qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne me souviens pas d'être venu ici, mais à bien y réfléchir, je ne me souviens de rien. Ça commence bien. Les trous de mémoire sont monnaie courante après l'hypersommeil, mais de là à en oublier comment je m'appelle, j'ai mariné bien trop longtemps dans cette capsule, d'accord. Et ma tête, on a fait la fête hier soir. Où sont passés les invités? Il faut que j'aille les chercher. Oh, et il y a quelqu'un? Alors... non, je vais pas me déplacer comme ça, moi. J'aime pas ça. Ah ouais, alors... Est-ce que je peux changer ça? Commande. D'accord, je les avais pas au début. Hop. Gauche. Reculer. Droite. Et après le reste, oui, ça va. Ok. Le reste, y a pas de soucis. Très bien. Alors, dégager le chemin et sortir. Oui, c'est-à-dire. Mais je peux pas. Main cybernétique nécessaire. Inspecter. Comment je fais? Loin. Ah d'accord. Oui, il faut que je bouge quand même, il n'y va pas automatiquement tout seul. Nouvel objet obtenu, c'est-à-dire... Je sais pas à quoi ça sert. Comment je vais faire Prendre la main cybernétique. Oui, évidemment. J'en ai besoin. Chouette. Wouhou ! Chouette, 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 chouette. C'est perdu, peut-être quelqu'un a transformé cette main cybernétique en grade d'eau, c'est honteux. Non? Tiens, tiens, les pieds, la taille et les couleurs correspondent parfaitement. Quelqu'un aurait fouillé dans mes affaires? Alors, grâce à elle, vous pouvez porter des objets lourds et récupérer des ressources. Ce modèle de prothèse obsolète est un symbole d'autorité sévère, mais juste. Car le dernier dirigeant de la Fédération Terrestre en portait une similaire. J'ai tenu ramasser. On va poser ça là. Ah oui, c'était intéressant. Retirer les racines, oui. Ramasser. D'accord. Alors,
J'ai une de ces faims, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir mangé depuis une éternité. Et si c'était le cas? Ah oui. Alors, santé. D'accord, c'est ceci. Moi, les oranges. Dormez pour guérir. Si la jauge de santé arrive à zéro, votre personnage s'évanouira. Satiété. Mangez pour vous remplir l'estomac. Si la jauge de satiété arrive à zéro, votre personnage subira des blessures. Ok. Jusque là, j'ai envie de dire que c'est normal. Ah, merci. Ouais. Et je suis censé faire quoi avec tout ça? J'ai noté. C'est quoi ça? Examinez. Bonjour, je suis Trochomaton, un robot spécialisé dans la réutilisation de ressources. Placez vos restes de nourriture ici pour obtenir un produit en échange. Ah, d'accord. Non, mais c'est bon pour l'instant. Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi ça? Biomasse. Papier, biomasse, c'est du compost. Enfin, c'est moi, je rêve à frigo, j'ignore tout de mon identité, mais je sais au moins que j'ai touché le gros lot. Ouais. Laisse-moi passer, saleté de porte. Bon, ce n'est pas grave, je vais insérer une nouvelle batterie et sésame, ouvre-toi. Et on dirait que je m'y collais en gadget. Je parie que j'étais ingénieur dans mon ancienne vie. Bon, carrément, insérer la batterie. Cette batterie, quand même, le mur du frigo. Oui. Bah, elle est dedans, non? Ah non, j'en ai pas de batterie. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est quoi? Et ça? Et ça? Ferraille. Plastique. Tiens, il y a un mot dans les cendres. J'ai désormais la confirmation que quelqu'un habitait ou habite sur ce toit. D'accord. J'espère qu'on ne me mordra pas si je démonte ce feu de camp pour en construire à nouveau. Ouvrir le menu de construction. Sélectionner une construction. Placez-la quelque part. D'accord. On va pas tout de suite alors. On va ramasser les... Ouvrir la caisse. Tu pensais pouvoir m'échapper, petite batterie? Eh bien non, tu vas te mettre au travail. D'accord. Donc j'ai une batterie là, théoriquement. Bon. Il faut rester appuyé. Ok. Ramasser. Ah. Oui! Je vais devoir parler à des objets inanimés jusqu'à la fin de mes jours ou quoi? Allez, je vais te réveiller et voir ce que tu as dans le ventre. Debout là-dedans. Nom d'une boîte de conserve, je suis de retour, patron. Je suis bien réveillé et si j'avais eu des jambes, j'aurais fait un numéro de claquette. D'accord. Oh. Tu peux parler? Mais tu fais quoi au juste? Un peu, mon neveu, vous n'aviez jamais croisé de frigo avant? Parlant? Ben non. Je suis bien contente que mes frigos ne parlent pas. Mais bon. Ah d'accord, comme je suis seule, j'ai fini par perdre la raison. Je commence déjà à avoir des hallucinations. Attendez, j'ai une meilleure explication. Tout ça, c'est à cause d'une méchante sorcière qui a maudit votre château. Elle a transformé tous vos serviteurs en objets parlants, avant de vous changer, en monstre. Bingo, patron. Je m'appelle Earl. Comme j'ai dans la cuisine depuis ma plus tendre enfance, je rêvais de devenir robot ménager. Génial. Malheureusement, l'un des geckos Pinicop pensait que je valais mieux comme frigo de café. Oh. Donc tu étais humain, mais tu voulais être transformé en appareil intelligent pendant l'enfance? Je te plains. Pas besoin d'en faire tout un plat. C'est un travail comme un autre. Beaucoup de gens rêveraient d'être à ma place. Les familles sont dédommagées, vous savez. La mienne reçut une coquette somme. Oh, je viens de me souvenir d'une chose. Je n'avais pas de famille, en fait. Ça a dû être difficile. N'oubliez pas le disque dur, patron. Vous venez d'arriver en ville, non? Je serais ravi de vous donner des conseils d'experts. Allons, ne faites pas votre timide.
Bon, on va commencer par qui suis-je. Votre visage ne m'est pas étranger, patron. Vous avez participé à une émission de cuisine? Je ne suis pas très physionomiste. En fait, je retiens plus facilement les recettes. Vous êtes amnésique? Ou amnésique, non? Vous pouvez encore faire des blagues, rassurez-moi. Non? Moi qui espérais en entendre deux ou trois au coin du feu. Tout ce qui passait à la télé était naze. En plus, les pubs étaient payantes. Hé, hey, Franck, qu'est-ce qu'il raconte à la télé? Franck? Oh non, quelqu'un a dû le détrousser. Ouais... Ah, ça va pas être simple avec ce truc. À Cosmopolis, pour remporter le concours de la meilleure capitale. Vous n'avez qu'à attendre que vos concurrents se fassent engloutir par l'océan. Hein? Tout n'était pas rose, je travaillais sans répit pour les riches. Et une fois ma numérisation effectuée, la bourgeoisie s'est prosternée devant moi pour que je la nourrisse. Que s'est-il passé ici? Pour tout vous dire, patron, je n'ai rien à voir là-dedans. Le café était loin d'être parfait, mais là... Vous voulez parler du déluge? C'est quoi cette édition? Vous avez vécu sur la seconde lune ou quoi? Sans vouloir vous offenser, hein, je n'y connais pas grand-chose en écologie, mais je pense qu'on coule depuis un bon moment. Pourquoi n'y a-t-il personne ici? J'aimerais bien le savoir, figurez-vous. Les extraterrestres sont peut-être passés par là. On ne m'a pas entretenu pendant si longues années. S'il y avait eu des gens dans le coin, ils l'auraient envoyé à la casse depuis longtemps. Qui vivait ici? Aucune idée. Vous êtes le premier humain que je croise après toutes ces années. Vu tout ce bazar, je dirais qu'il s'est passé un truc vraiment grave ici. Le toit est ouvert maintenant. C'est très joli. À bientôt. Mes circuits tout puissants, on est parti loin. J'ai dépensé une quantité monstre d'énergie. Je vais entrer en mode veille. Vous pouvez crêcher sur le toit de la réserve derrière moi. Les baristas du café dans lequel je travaillais y faisaient parfois la sieste. Si l'envie vous vient de parler des derniers potins, vous savez où trouver, patron. D'accord. S'installer par là. Examiner. Ce poste de contrôle bloque une partie du toit. Que se cache-t-il de l'autre côté? Je peux pas faire grand chose. Non, je peux pas. Bah comment j'y vais? D'abord. Des poubelles maintenant. Je ramasse du plastique. Je suis censée en faire quoi? Je vais les remettre là-bas. Hein. Hop. Ah, il me faut une scie. Si oui, nécessaire. Ah ouais, je vais bien, je trouve une scie. Ça, je peux rien faire ici. Alors, on va trouver une scie. Oh, c'est quoi ça? Moi je dis oui, hein. Voilà, c'est toujours mieux que rien. J'espère que ça va repousser. Alors, c'est quoi ça? C'est une sorte de technologie militaire ou bien une lampe très élaborée. Elle a l'air cassée, je la démontrerai quand j'en aurai l'occasion. J'imagine que les pièces à l'intérieur sont d'excellentes factures. Peut-être. Oh, c'est pas ce que c'est. Ouais, c'est pas hyper rassurant. Ah. Non. Le côté,
C'est quoi ça? Ouais, c'est pas quoi que manger. S'ils sont venimeux, si je les mange cru. D'accord. On va les faire cuire là. C'est quoi là? Ah, je peux planter. On va planter des graines. Ouf. Où pourrais-je les planter? Par terre vide. Non, c'est pas ça apparemment. C'est vrai que j'ai derrière. Tu es rapide, t'enchantes, t'es absolument génial. Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Sirouillé, ok. Sur frayer la seconde satellite de la Terre, d'affaires pacifiques et militaires. Lorsque les colons sont arrivés à court d'armes, les ingénieurs ont combattu les pirates de l'espace avec leur scie. D'accord. Ok. Il veut encore des planches. Il en faut 3. Bon, il faut trouver des planches. Hein. Pas de soucis. Et on peut pas passer. Ouais. D'accord. Ok. Hop. Allez. Là ça. Non, prenez. Oh, trop bien, regarde. Grimper. Oh. Oh. Et l'air est si pur. Pourtant, on m'avait dit que c'est dur de respirer dans les grandes villes. C'est qui seront? Même si j'ai dormi pendant de nombreuses années, je ne dirais pas non à quelques minutes de sommeil supplémentaire. Ça, je sais pas. C'est le milieu de construction. Ouais. Mais pourquoi vous êtes lourd? Ah, voilà. Ok. D'accord. Je pourrais me faire un petit feu de camp ici. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser par là? Dormir. Non, il faut que je mange. Ça va être le plus important. Je suis censé le faire où, en fait, quand? Là. Ben là c'est plutôt ouais. Ah mais attends, c'est quoi ici? Non.
Non, c'est pas ça. C'est que je le même en fait quand. Là. Hop. Non, parce qu'il faut que je mange. Ah, d'accord. Non, je vais le mettre comme ça. Qu'est-ce qu'il me faut? Deux planches, c'est ça. Bon, bah on va trouver des planches, hein, si tu veux que je te dise. Comment ça? C'est un fer nécessaire, d'accord. Je me suis fait un feu de camp avec une pile de bois. Comme ça, quand j'aurai un petit queue, ouais, je pourrais me cuisiner. Bah, j'ai des trucs à faire, non? Ah, je peux pas. Est-ce que je peux... C'est quoi qu'il fallait? Ah, les champignons. Du charbon. Et je mets où le combustible là? Non. Nourriture, boisson, matériaux. Il en faut 20. Mais il me l'a pas mis en fait. Pour l'instant, je peux rien manger. Je vais les mettre là. Hein. Par contre, je les mange. Je peux laisser mon tableau là. Hein. En vrai, pour l'instant. Quelque chose que je puisse récolter pour manger. Et tout son cours. Mais je mange pas là. Attends. Et les myrtilles. Voilà. Ah, ça fait pas beaucoup, hein. Mais enfin, ça a l'air de bien pousser. Pousse en cours. Ouais. Non, mais j'ai pas besoin de ça. Je peux pas faire à manger avec le truc qu'il y a. Ah, je suis dedans. Bravo. Intéressant, ce moment. Les fleurs sentent bon, ouais. Je peux pas passer là-bas. Ah, sérieux? C'est bien. Encore une cryocapsule vide. Se pourrait-il qu'il y ait quelqu'un d'autre ici pour que la mémoire de cette personne soit intacte, tout comme sa santé mentale. Ouais.
cas. On peut pas aller là-bas pour l'instant. Je trouve un marteau. Ouais, là je peux rien faire. Il y a des trucs là-bas, crotte de mic. Je peux rien faire là. Moi, découper des planches pour l'instant, je n'ai pas d'intérêt à faire ça. Et là, je peux pas y aller. Ah ah ah. Ben, je veux bien monter, mais. J'ai surtout faim en fait. L'objet obtenu. J'arrive pas à dormir, la faim me tiraille. Ouais. Je suis bien d'accord. Alors, fais voir le menu construction. Qu'est-ce qu'il me faut? Alors, il me faut deux planches et de la tôle. Ah bah ça, ça c'est facile. Hop. Bon bien. Non, ramasse. Ajouter. Voilà. Je ramasse. J'ajoute. Des planches, on en a là-bas. Hop. Hop, hop. Hop. Encore. Alors, utilisez le clic droit pour transférer un objet de votre inventaire dans un espace de rangement et vice versa. Ok. Bien. Alors, on va tout mettre dedans. Fleur éclatante. Incroyable. Câble électrique, j'avais même pas vu que j'avais ça. Et les graines, eh ben. Il faut que je trouve un emplacement. Non. Ok. Ça me donne pas à manger, hein. Parler, coffre de rangement, bouteille d'eau. Ouais, ça c'est peut-être pas con. Il n'y a plus rien. Et on va la remettre dedans. Jusqu'à ce que je sache comment on la remplit. Bon, je peux toujours pas aller là-bas. Il y a un trou là. Bah là, ça va être compliqué. Hein. Ah. Ouais. Le problème, c'est que j'ai vraiment faim. Ah, ça se mangeait. C'est bizarre, non, de manger des trucs comme ça. Non, mais y a rien là. Voilà. C'est quand même bizarre, hein. Je mange des choses. Ah putain, il y a des myrtilles là-bas, je l'ai vu. Il n'y en a pas qu'en plus, là. Je peux pas les planter quelque part. C'est bizarre quand même. Sur un parterre vide. J'ai pas de.
son cours, découper des planches, ouais. Je peux pas passer, je peux pas passer. C'était du plastique. C'est quoi? La ferraille? Des barils, ouais. Ça m'avance à rien. Attends. Je vais la prendre la biomasse, hein, parce que je la mange. J'ai pas l'impression que ça me rapporte grand chose, mais un petit peu quand même. Hop. Là. Bon. On a mangé. Est-ce que je pourrais aller dormir? C'est pas énorme, mais peut-être suffisant pour aller dormir un peu. Hop. Bon bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que pendant qu'il dort, on va arrêter l'épisode, et puis on se retrouve la prochaine fois. Je vous fais des bisous, je vous remercie pour vos pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout revenez. Je vous fais tout plein de bisous, je vous dis à très bientôt.